بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. Madame la présidente de l'université Hassan Ier, messieurs les vice-présidents, monsieur le doyen de la faculté d'économie et de gestion, messieurs les chefs d'établissement, chers collègues, chers étudiantes et étudiants, chères assistantes, chers invités, nous sommes ravis aujourd'hui et très heureux de vous accueillir pour cette conférence inaugurale au titre de l'année universitaire 2021-2022, qui sera animée par un invité de marque, qui n'est autre que professeur Mohamed Barada, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation, malgré les occupations professionnelles qui sont les siennes. Et cette conférence inaugurale constitue traditionnellement pour nous une occasion pour ouvrir le bal de l'année académique, mais aussi le point de départ d'un ensemble de rencontres scientifiques que nous envisageons d'organiser au sein de la faculté d'économie et de gestion tout au long de cette année universitaire. Permettez-moi, mesdames et messieurs, avant de céder la parole à madame la présidente, professeure Khadija Safi, de la remercier tout chaleureusement pour les efforts qu'elle déploie pour la promotion de la recherche scientifique au sein de l'université, mais aussi de la remercier pour son soutien qu'elle nous a toujours apporté et qu'elle nous apporte à chaque fois que nous l'avons sollicité pour l'organisation de ce genre d'événements. Je me permets aussi de remercier tout particulièrement M. le doyen de la faculté d'économie et de gestion, professeur Jamel Zahi, pour son soutien et ses encouragements pour l'organisation de ces événements qui s'inscrivent dans le droit chemin de sa stratégie de développement de l'établissement à travers la coopération et la recherche scientifique. Donc sans trop tarder, je cède la parole à Madame la Présidente. Madame. Merci beaucoup, chers collègues, si je peux. Eh bien, moi, ce que je voudrais dire, c'est juste ma joie et ma fierté aujourd'hui de voir déjà notre faculté d'économie et de gestion qui entame sa première année dissociée de la faculté des sciences juridiques et politiques. C'est une faculté qui a toujours existé avec son potentiel, avec ses enseignants et avec ses étudiants. Et je suis heureuse de voir que cette conférence inaugurale va se faire avec Monsieur le ministre Barada Mohamed, une richesse énorme qu'il va partager avec nos étudiants. Et c'est l'objectif justement de ces conférences, c'est de partager ce savoir avec notre jeunesse. Je suis vraiment très fière de cette faculté d'économie et de gestion parce que, comme l'a dit Zéchet, elle est sur la bonne voie. Et la bonne voie, c'est ça, parce que le souci, c'est les étudiants. L'élément élémentaire dans tout établissement universitaire, c'est vous, c'est les étudiants d'abord. Et donc, tout ce que nous faisons, c'est de faire de vous non seulement un étudiant avec une tête bien pleine, mais aussi un citoyen de demain, un vrai Marocain qui pourra affronter son demain avec un avenir qu'il a construit au fil des années qu'il aurait passé au niveau des universités et au niveau des facultés. Je remercie énormément Sidi Zahi, le doyen de cette faculté, qui a su s'entourer d'une très bonne équipe. Et la preuve, c'est que nous avons Sejaqi, chef de département de sciences économiques, que j'ai connu il y a maintenant deux années sous d'autres volets, d'un bon chercheur bien impliqué. Et c'est ça ce que je veux que nos staffs mettent au service de nos étudiants. Je suis vraiment contente de recevoir notre cher ministre, je le qualifie toujours de mon cher ministre. Ce n'est plus à la mode. il est vraiment beaucoup de choses,
on ne pourra jamais le présenter vraiment comme il le mérite, mais ça sera, si je crée, il le fera tout à l'heure. Mais vous allez voir, c'est une mine de connaissances et de savoir. Vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir profiter de lui à peu près une heure. Je le remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. On ne pourra jamais le présenter vraiment comme il le mérite, mais ça sera, si je crée, il le fera tout à l'heure. Mais vous allez voir, c'est une mine de connaissances et de savoir. Vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir profiter de lui à peu près une heure. Je le remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Malgré tout ce qu'il gère et malgré un monde en effervescence qu'il gère toujours, je le remercie infiniment. Je remercie Cégeret pour cette initiative. Je remercie notre staff, nos invités qui sont aujourd'hui avec nous et qui ont enrichi cette matinée. Je suis heureuse de voir toutes les têtes avec lesquelles on vient de partager une bonne heure de partage et d'échange extraordinaire. Je souhaite à nos étudiants une excellente matinée avec Sebrada. Je vous souhaite beaucoup de succès, nos chers étudiants. Personnellement, je mise énormément sur vous et je suis certaine qu'on gagnera le pari ensemble et que j'aurai raison de miser sur ces étudiants-là. Merci, merci à tous. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour vos mots chaleureux et d'encouragement. Et je cède la parole à M. le doyen, professeur de la Faculté d'économie et de gestion, professeur Jamal Zeh. Je vous remercie, Bismillahirrahmanirrahim, Monsieur le ministre, chers invités, Madame la Présidente, chers collègues doyens et directeurs, chers professeurs, chers étudiantes et étudiants. C'est avec un très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette journée que je vous accueille au sein de notre faculté d'économie et de gestion pour cette conférence inaugurale au titre de l'année universitaire 2021-2022 sous le thème « L'après-Covid vers une refondation de l'économie mondiale ». Pour cette conférence, on a invité notre éminent professeur Mohamed Barada, ancien ministre de l'économie et des finances, ancien ambassadeur du Maroc en France, ancien président de l'office chérifienne de Phosphate, président directeur général de la compagnie Royal Air Maroc, pour justement vous proposer ce sujet de conférence qui est en plein dans le thème, c'est-à-dire l'après-Covid, parce qu'on est en train presque de vivre ce qu'on appelle l'après-Covid, et qui est dans le thème de notre faculté et surtout pour la culture et le développement de la recherche scientifique de nos étudiants. Donc j'espère pour vous cette conférence riche, riche de connaissances, riche de discours et riche de débats. Donc je vous invite à bien suivre notre conférencier et je vous remercie. Merci Monsieur le Doyen pour votre mot. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le Doyen, Mesdames et Messieurs, dois-je vous avouer qu'aux côtés de professeur Mohamed Barada, je suis en proie à une étrange sensation qui ne peut être expliquée que par un sentiment d'admiration, de respect et de gratitude pour l'homme, le professeur, l'économiste, l'entrepreneur, l'intellectuel et l'éminent homme d'État. Et comme on dit souvent, la reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Donc avant de céder la parole à notre invité pour donner sa conférence, je me permets de partager avec vous les principaux épisodes qui ont jalonné et qui rythment encore la vie de notre invité. Une vie dédiée au développement de son pays à travers les projets qu'il a entrepris et qu'il entreprend toujours. La liste est très riche, donc pour ne rien oublier, je me permets de lire mes notes. Donc, docteur d'État en sciences économiques,
de l'Université de Bordeaux. Professeur Mohamed Brada est également diplômé des études supérieures de droit privé de l'Institut d'études politiques, de l'École supérieure de commerce, de l'Institut d'administration des entreprises, de l'Institut d'études démographiques et enfin licencié en sociologie. Professeur Brada a débuté sa carrière en tant que professeur d'économie à l'Université Hassan II de Casablanca. Il n'est aucunement besoin de rappeler le nombre d'étudiantes et d'étudiants qui furent ces étudiants dans le passé et qui occupent avec brio aujourd'hui un ensemble de postes aussi bien dans le secteur public que privé. Longtemps à la tête d'entreprises industrielles, professeur Brada a été nommé par Feu Hassan II à la tête du ministère des Finances entre 1986 et 1993. À ce titre, il a participé à l'élaboration et la mise en œuvre du programme d'ajustement structurel, et son passage au ministère fut marqué principalement par de grandes réformes, en l'occurrence la réforme fiscale et celle des marchés financiers. De 1993 à 1999, il occupe le poste d'ambassadeur de Sa Majesté en France et de délégué du Maroc auprès de l'UNESCO. Entrepreneur industriel et membre de conseil d'administration de plusieurs établissements, professeur Brada a été nommé à la tête de deux des fleurons des entreprises publiques, en l'occurrence l'Office chérifien des phosphates et la Royal Air Maroc, respectivement en tant que directeur général et président-directeur général. Après ce riche parcours de patron d'entreprise et d'homme d'État, professeur Brada revient à ses vieux amours que sont l'enseignement et la recherche scientifique en tant que professeur émérite à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca et surtout en créant la fondation de recherche LINCS dont il est le président et dont la mission est principalement l'intégration de l'université dans le monde économique, politique et social. Je dois vous dire que, à travers les échanges que j'ai eus préalablement avec professeur Brada, j'ai pu déceler chez lui l'intime conviction que le développement économique d'une nation est indubitablement tributaire de la qualité d'enseignement prodigué à ses citoyens, et ce, dès leur jeune âge. Il rejoint à ce propos les idées avancées par de grands économistes du développement de ce monde, et je pense en particulier au prix Nobel en 1998, prix Nobel d'économie, Amartya Sen, qui fonde sa théorie du développement sur les libertés et la justice en facilitant l'accès équitable aux ressources pour les populations pauvres, et parmi ces ressources, justement, vient en premier lieu l'accès à l'enseignement pour les plus jeunes. Fort de ses convictions qu'il ne cesse de promouvoir et de défendre, professeur Brada, l'entrepreneur social cette fois-ci, contribue concrètement à les réaliser sur le terrain, à travers la fondation Feu Hajr Ali Brada, qu'il préside, et plus particulièrement l'association Oum Kalthoum, un complexe social à Sidi Moumen à Casablanca, qui abrite 1200 bénéficiaires des populations du quartier souffrant de situations précaires. Ce complexe prend en charge et forme aussi bien des enfants pour acquérir des savoirs de base que des adultes pour leur permettre de gagner en autonomie. De plus, professeur Brada est très souvent invité en tant que conseiller scientifique aux plus grandes messes et rencontres réfléchissant sur les réformes économiques et le devenir économique de notre pays, et c'est à ce titre par exemple qu'il a été président de la commission scientifique des dernières assises fiscales. Enfin, professeur Brada a écrit de nombreux ouvrages dont le dernier est intitulé « Une élite de transition, les entrepreneurs marocains des années 60 » préfacé par le grand philosophe Edgar Morin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'avoir parmi nous pour partager ses réflexions sur le devenir de l'économie mondiale après Covid, une crise sanitaire qui a frappé la terre entière. Je me permets ici de rappeler que
que notre invité est aussi un fin connaisseur des crises économiques au travers les longues années où il a enseigné l'histoire des faits économiques, mais aussi en tant qu'architecte de la sortie de crise financière qu'a connue le Maroc au début des années 80. Encore une fois, merci professeur Brada d'avoir accepté notre invitation, et c'est avec un immense plaisir et beaucoup d'intérêt que nous allons vous écouter. Merci.